Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je reviens pour un tag, enfin une vidéo, 15 choses sur moi. Voilà, donc ça peut être des choses un peu basiques, des choses peut-être que vous ne savez pas. Donc voilà, je pensais que ça pouvait être assez intéressant pour apprendre, pour vous apprendre un petit peu mieux à me connaître, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, number one. Je m'appelle Marie. Ouh là là, ça c'est pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc j'ai 17 ans. Voilà, voilà. Number 2, je suis d'origine sénégalaise, franco-sénégalaise pour être plus exact. Donc voilà, mais je vis en Martinique. Donc je sais que plein de gens pensent que je suis martiniquaise ou quoi. Pas du tout, j'ai aucune origine de la Martinique, je ne fais que y habiter. Je suis franco-sénégalaise. Number 3. Ma famille habite aux quatre coins du monde. J'habite en Martinique avec ma maman. Mon papa habite en Nouvelle-Calédonie, donc pour ceux qui ne savent pas où c'est près de l'Australie. Ma grand-mère paternelle habite à Dakar, au Sénégal, en Afrique. Et mes grands-parents maternels habitent en France, près de Bordeaux. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu réparti partout. C'est pour ça que je voyage, j'ai la chance de voyager beaucoup, même si j'ai la malchance de ne pas voir ma famille très souvent. Number 4, ça va faire 3 ans que j'ai un blog, donc www.comdesmarie.com pour ceux qui ne le savent pas, je le mettrai ici. J'ai commencé cette aventure janvier de la seconde. Au départ, c'était pour le fun, ça l'est toujours, mais maintenant, je sais pas, c'est encore plus cool. Il y a plus de gens qui me suivent, donc ça me donne encore plus envie de faire plein d'autres choses et de diversifier mon contenu. Voilà. Number 5, j'adore la musique. J'adore la musique et j'adore chanter. C'est une de mes passions premières avec, à côté de la mode et de la beauté. Donc. Voilà, si un jour ça vous dit, peut-être que vous avez déjà entendu ma voix sur mon Insta Story. Et sinon, je vous ferai peut-être une vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous dit. Ensuite, number 6. J'ai 2 chiens et 1 chat. Voilà, voilà. Rien de spécial. Number 7. Donc, j'habite en Martinique depuis plus de 10 ans. Voilà, quand mes parents se sont séparés. J'ai quitté la France et je suis venue m'installer ici. Voilà, voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois quand on me demande, je me dis ouais, ça fait 3-4 ans que je suis là et tout. Non, ça va bientôt faire 10 ans. Ça va faire 10 ans cette année au mois d'août. Et ouais, quand même, c'est passé très très vite. Number 8. J'adore les pâtes. Les pâtes, c'est les pâtes. C'est ma vie, c'est-à-dire que si vous me demandez quel aliment je pourrais manger jusqu'à la fin de mes jours tout le temps, ce serait des pâtes. À n'importe quelle sauce, enfin, c'est tellement bon. Les pastas, vous savez. Mettez un j'aime si vous aimez vous aussi les pâtes. Number 9, j'ai été très très timide durant une période de ma vie, mais plus maintenant. Donc je m'explique, quand j'étais petite... Enfin petite, dans mon collège, tout ça, j'avais pas beaucoup d'assurance, j'avais pas forcément beaucoup d'amis, tout ça. Donc j'étais très très timide. Et je sais pas, depuis quelques années, depuis le lycée, depuis que je me suis un peu plus affirmée, je me suis rendu compte que ça servait à rien d'être timide, ça fait plus perdre du temps qu'autre chose. Parce que par exemple, quand j'allais dîner chez des amis à mes parents, et ils avaient d'autres enfants et j'étais tellement timide que c'est que vers la fin que je me lâchais, que je commençais à les apprécier et puis en fait on partait, c'était fini, j'avais pris trop de temps. Donc voilà, maintenant je ne suis plus timide. Ensuite, number 10. J'ai vécu une année d'activité paranormale. Voilà, une année, ouais, à peu près une année complète. Donc je pense que je vais vous raconter ça prochainement dans une story time. Donc pareil, dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous fasse une story time sur les activités paranormales dont j'ai pu être témoin. Voilà. Ensuite, number 11. Je n'ai pas les oreilles percées. Donc
C'est assez rare pour les filles, même j'allais dire maintenant pour les gars, tout le monde est percé. J'ai pas été percée étant bébé, j'ai essayé je crois en quatrième de me percer les oreilles. Ça a duré 3 mois, ça s'est rebouché, c'était pas mon truc, donc non, j'ai pas les oreilles percées. Number 12. Je n'ai que 8 grains de beauté, donc apparemment ça porte bonheur. Donc là vous êtes en train de me dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais voilà, je n'ai que 8 grains de beauté, il y en a un que vous pouvez voir là. J'en ai un qui est en train d'apparaître ici d'ailleurs, ça me fait bizarre, genre un grain de beauté qui apparaît comme ça. Enfin bref, voilà, j'en ai 2 dans les narines, un sur le genou, un sur le coude. Enfin bref, on s'en fout. Donc, 13e chose, bonne question. J'ai fait 6 ans de danse classique, voilà. Je pense qu'on pourrait dire ça, c'est une de mes grandes passions aussi. La danse, j'aime beaucoup ça. Number 14. J'aime la mode, c'est peut-être un peu trop facile celle-là, vous le saviez déjà, mais bon. Un dernier, qu'est-ce que je pourrais dire sur moi? Donc, number 15, c'est mon chiffre porte-bonheur. Je suis une grosse tarée, voilà, je finirai sur ça. Je pense que ça se voit pas au premier abord, je sais que plein de gens pensent que je suis hautaine ou plein d'autres trucs, mais en fait, je sais qu'en tout cas les gens qui apprennent à me connaître tout ça sont très surpris parce qu'en fait, je suis complètement folle et pleine de joie, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous fais plein de bisous.